Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Nursultan Nazarbayev, président de la République du Kazakhstan, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Құрметті төраға мырза, құрметті бас хатшы мырза, құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар. Біріккен ұлттар ұйымының 70 жылдық мерейтойы тұсында бұл ұйымның негізін қалаушылар оған қандай терең мағына бергені жөнінде ой бөлісу бүгін маңызды. Біріккен ұлттар ұйымы қазірдің өзінде жаһандық тұрғыдан тарихи мәні бар міндеттерді орындады. Біріншіден, планетамызда адамдар 70 жыл бойы дүниежүзілік соғысыз өмір сүріп келеді. Екіншіден, әлемде аса ауқымды отарсыздандыру жүзеге асырылды. Біріккен ұлттар ұйымын 70 жыл бұрын 51 мемлекет құрды. Ол кезде әлемнің көп бөлігін колониялар мен тәуелді аймақтар алып жатты. Бүгінде әлемдік қоғамдастықта 193 тәуелсіз мемлекет бар. Үшіншіден, Біріккен ұлттар ұйымы күн сайынғы қиын, бірақ қауіпсіздік пен даму үшін баршаға қажетті үнқатысудың бүкіл әлемдік мінбесіне айналды. Адамзат одан өзінің әр алуандықтық бірлігін, біздің ғажап бірегей платемесінің тағдырына қатыстылығының ортақтығын сезініп отырды. Біріккен ұлттар ұйымының негізін қалаушылар алдағы алыс болашаққа ой көзімен қарай білді. Excusez-moi, Excellence, je crois que nous avons un petit problème d'interprétation. Nous vous interrompons donc un instant, si vous le voulez bien. Barma? Yeah, well, if we can wait for the interpreter to come through. Our apologies for that. Toutes nos excuses, dit le président. Assembly, please just bear with us for a minute or two. Je vous demande une minute ou deux de patience, dit le président. Nous allons vérifier où se trouve l'interprète. Je demanderai au protocole de raccompagner le président à son siège.
May I again, je voudrais demander un nouveau protocole de bien vouloir accompagner le président du Kazakhstan et à qui je demanderai de bien vouloir recommencer son allocution. Merci beaucoup. Sorry. Құрметті төраға мырза. Құрметті Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en cette année du 70e anniversaire de l'ONU, il convient de réfléchir aux profonds espoirs placés dans l'organisation par ses fondateurs. Cette organisation universelle a déjà accompli des objectifs d'une importance historique très grande. Premièrement, pendant 7 décennies, notre planète a vécu sans connaître de guerre mondiale. Deuxièmement, nous avons été le témoin d'une décolonisation de large ampleur. Il y a 70 ans, l'ONU a été créée par 51 États, alors que la majorité de la planète consistait à l'époque en colonies, en territoires dépendants. Aujourd'hui, la communauté mondiale comprend 193 pays indépendants. Troisièmement, l'ONU est devenue un forum universel de dialogue qui est essentiel pour tous, pour la sécurité et le développement. Et c'est à l'ONU que l'humanité reconnaît son unité dans la diversité, la nécessité d'une participation commune à l'élaboration d'un avenir commun à la planète. La génération qui a fondé les Nations Unies a été suffisamment sage pour voir loin dans l'avenir. Et le monde d'aujourd'hui engrange les dividendes de leurs aspirations et de leur travail. Mesdames et messieurs, le Kazakhstan appuie toutes les initiatives visant à rétablir la confiance dans les relations internationales et le renforcement de la paix et de la sécurité, et ce sur la base du droit international. Pendant 7 décennies, la communauté mondiale a essayé de trouver une formule efficace pour régler les conflits militaires. Cependant, le nombre de conflits n'a pas pour autant diminué. Et au contraire, ils prennent aussi une forme de plus en plus sophistiquée et complexe, tel le terrorisme international, un fléau qui est le résultat de l'anéantissement de l'État dans certains pays. L'humanité doit passer d'une prévention de routine des conflits et du redressement post-conflit à une nouvelle stratégie de développement qui rende ces conflits inutile. À cette fin, nous devons trouver le courage de regarder au-delà de la période actuelle pour envisager le temps où l'ONU fêtera son centenaire. Je suis convaincu que lors des 30 années à venir, notre civilisation trouvera la sagesse et la volonté nécessaires pour trancher le nœud gordien des guerres et des conflits. Notre tâche centrale au XXIe siècle doit être de mettre en œuvre une stratégie qui élimine pour de bon la menace de la guerre et ses causes. À cette fin, je propose que pour le centenaire de l'ONU, l'on élabore un plan et une initiative mondiale stratégique à l'horizon 2045. L'idée centrale est de lancer une tendance nouvelle dans le développement mondial fondée sur des conditions d'équité où tous les pays auraient un accès égal aux infrastructures de la planète ainsi qu'à ses ressources et à ses marchés, sans oublier la nécessité de répondre au développement humain. Tout d'abord, je propose de transformer le Conseil économique et social de l'ONU en un conseil pour le développement mondial. À côté des États membres de l'ONU élus par l'Assemblée générale, il pourrait aussi comprendre les chefs de secrétariat de toutes les institutions du Fonds monétaire international. Ce conseil aurait pour tâche de devenir un régulateur de l'économie mondiale et les projets mondiaux qui seraient menés par le conseil consisteraient à promouvoir la croissance économique à l'échelle mondiale. Cela aidera à diminuer de façon considérable les risques de crise mondiale et à garantir un comportement responsable des États dans leur défense des politiques économiques et sociales nationales. Nous considérons que l'idée d'un plan anti-crise mondiale est tout à fait d'actualité, projet qui est actuellement activement discuté en marge du Forum économique de Astana.
les défis les plus pressants et les plus graves aujourd'hui sur le terrorisme, l'anéantissement des États, l'immigration et d'autres phénomènes négatifs qui sont le résultat de la crise économique, de la pauvreté, de l'analphabétisme et du chômage. Pour combattre cette crise mondiale, nous devons commencer par des règles claires en matière d'émissions et d'échanges des monnaies de réserve de la planète, car aujourd'hui, elles ne satisfont pas encore aux critères de justice, de démocratie, de compétitivité, d'efficacité et de contrôle international. Au XXIe siècle, le monde a besoin d'instruments qui soient nouveaux sur le plan qualitatif. Il faut unir les efforts du côté des États membres des Nations Unies pour créer une nouvelle monnaie supranationale qui soit pertinente au vu des objectifs et tâches de développement durable mondial et de prospérité. Deuxièmement, à l'occasion du 70e anniversaire du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, je demande instamment qu'un monde sans armes nucléaires soit le principal objectif de l'humanité pour le XXIe siècle. Je propose que nous adoptions une déclaration universelle des Nations Unies visant à réaliser un monde exempt d'armes nucléaires. Le Kazakhstan était le premier pays à avoir jamais fermé un site d'essai nucléaire et nous avons renoncé à notre arsenal nucléaire qui était le quatrième au monde. Nous avons aussi contribué à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie centrale. Il faut aujourd'hui établir des zones exemptes du nucléaire dans d'autres régions du monde, en particulier au Moyen-Orient. Les puissances nucléaires doivent fournir les garanties d'un non-recours à la force pour tous les pays qui renoncent à la détention de l'arme nucléaire. En 2013, nous avons ouvert deux séries de négociations concernant le programme nucléaire iranien Almaty. Nous nous félicitons de la signature du plan d'action global commun concernant le programme nucléaire iranien. Aujourd'hui, il est essentiel de garantir le droit des États à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et un accès non discriminatoire au combustible nucléaire. C'est pourquoi nous avons appuyé et signé l'accord sur l'établissement d'une banque de l'AIEA pour l'uranium faiblement enrichi au Kazakhstan. C'est là un événement qui a une portée mondiale que le monde doit saluer en tant que mesure importante pour l'utilisation sûre et pacifique de l'atome. Aujourd'hui, il n'est pas besoin d'enrichir l'uranium pour les pays qui souhaitent développer l'énergie nucléaire. Il faut créer aussi un mouvement anti-armes nucléaires au niveau mondial. Chaque personne sur la planète doit et peut contribuer à cette tâche. Troisièmement, l'érosion du droit international et l'affaiblissement du rôle des institutions mondiales est un défi dangereux pour nous. Il convient de se rappeler ici que la Charte des Nations Unies a été écrite avec le sang de millions de victimes de deux guerres mondiales et conflits armés. Toute violation des articles de la Charte, en particulier pour ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale des États, amène l'humanité à répéter les erreurs tragiques du passé. Il est indispensable de prévenir l'imposition arbitraire de sanctions qui est contraire à la Charte des Nations Unies et au droit international. Je suis convaincu que le droit d'imposer des sanctions internationales qui affectent le bien-être de millions de personnes doit rester la seule prérogative du Conseil de sécurité, la prérogative du seul Conseil de sécurité. Ne pas respecter ce principe sape les fondements de l'ordre mondial moderne et est un vestige de la guerre froide. Je voudrais aussi souligner qu'il n'y a pas d'alternative à l'ONU en tant qu'organisation universelle. Le respect par les pays de leurs obligations internationales reste la pierre angulaire de l'ordre mondial moderne. Le Kazakhstan s'est toujours fait le défenseur d'un règlement pacifique de la crise ukrainienne et de la pleine application des accords de Minsk par les parties au conflit. Aujourd'hui, il est nécessaire de ne ménager aucun effort pour établir le dialogue, la compréhension mutuelle et la confiance dans les relations internationales. Je propose pour cela de
de convoquer en 2016 une conférence internationale des Nations Unies au plus haut niveau afin de réaffirmer les principes fondamentaux du droit international. Quatrièmement, la menace du terrorisme et de l'extrémisme religieux est devenue mondiale. Je propose d'établir sous l'égide de l'ONU un réseau mondial unifié afin de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme internationaux. Pour y parvenir, il convient tout d'abord d'élaborer et d'adopter un document exhaustif des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. En appui à l'initiative de l'ONU Énergie durable pour tous, en 2017 se tiendra à Astana une exposition internationale sur le thème de l'énergie pour l'avenir. Nous invitons tous les États à participer pleinement à cette exposition. Et songeons à l'avenir et sur la base des infrastructures qui seront mises en place pour l'expo de 2017, je suggère d'ouvrir à Astana un centre international pour le développement des technologies vertes et des projets d'investissement sous l'égide de l'ONU. Chers collègues, une première étape importante dans la réalisation du plan et de l'initiative stratégique mondiale pour l'horizon 2045 pourrait être l'élaboration sous l'égide de l'ONU d'un nouveau concept pour l'avenir ou d'un concept nouvel avenir. Nous devons clairement définir les objectifs afférents à la prochaine étape du développement de l'humanité, et ce, 70 ans après la fondation de l'ONU. Je crois que cet avenir nouveau porte sur la question de savoir comment nous assurons la sécurité nucléaire, énergétique, alimentaire et en eau. Et à cet égard, nous faisons et continuerons de faire des efforts de médiation dans la région pour trouver un règlement pacifique au conflit qui concerne l'Eurasie. Ces directions et principes que j'ai élaborés constituent le cœur de la campagne électorale au Kazakhstan du Kazakhstan pour un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour 2017-2018. Et j'invite tous les participants à la 70e session à appuyer notre candidature. Mesdames et messieurs, il y a 70 ans, lorsque l'ONU a été créée, elle a remplacé la Société des Nations. Et la décision a été prise d'installer l'ONU à New York. Cela a été lié au fait qu'à ce moment dans l'histoire, le rôle de l'Occident dans les affaires internationales était encore en train de monter en puissance. Le centre du développement économique était aussi passé de l'Europe, le vieux monde, au nouveau monde, les États-Unis. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé, le monde a changé. Au XXIe siècle, le centre de la croissance se déplace rapidement vers l'Asie, le continent le plus grand de la planète, où se trouvent 2/3 de la population mondiale et où sont concentrées d'énormes ressources. Cette montée en puissance de l'Asie et des pays en développement de l'Asie a défini une nouvelle réalité dans les processus mondiaux. Il faut utiliser cette possibilité historique de donner une nouvelle impulsion aux relations entre les États. Et je propose donc de réfléchir à l'éventualité de transférer le siège de l'ONU en Asie. J'exprime l'espoir que les initiatives du Kazakhstan seront acceptées par la communauté des nations. Je vous remercie de votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Kazakhstan de son allocution. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis à leur siège pendant que nous raccompagnons le président.